of Bourbon Plan. Pietro! Doctor Bonplan, ahora su esencia no le sirve para nada. Étrange et barbare quel acharnement sur un cadavre. Et quelle haine! Je suis terrifié. Je suis glacé parce que vous me comptez là. Zephyr, geben Sie mir bitte meinen Schal, ja? C'est un fait incompréhensible, monsieur Humboldt. Le docteur Bonplan s'est éteint paisiblement deux jours avant, entouré de ces gens modestes qu'il avait tant aimés et soignés. Danke, Zephyr, danke. J'ai là quelques objets qui appartenaient à monsieur Bonplan. Bonplan. Aimé, Bonplan. Aimé. Jamais un prénom n'aura été à ce point mérité. Que peut faire un demi-siècle sans se revoir, et quelques milliers de kilomètres contre une amitié comme la nôtre. Vous trouvez que je manifeste assez peu d'émotion? Je me trompe? Comprenez-moi, en ce moment, moins que jamais, rien n'altérera la somme de souvenirs, des moments de pur bonheur, partagé avec Aimé Bonplan durant notre voyage en Amérique tropicale. Il me disait presque la même chose avant de mourir. Alors, à vous entendre, on dirait que la mort vous fait peur. Pardon? Les hommes qu'anime la passion de la connaissance sont comme les chats. On peut essayer de les tuer 9 fois, ils vivent toujours. Je sais de quoi je parle. Regardez-moi, je suis ici, vous m'écoutez. Et pourtant, je suis mort. Venez. Il y a 50 ans, au cœur de Terra Incognita, de cette carte, ici, c'est écrit de la main même de Pedro Montagna, notre compagnon vénézuélien. Là. Quelle aventure! Et quelles aventures avant d'en arriver à ce moment, le plus dramatique sans doute, d'un voyage extraordinaire. Un indigène, pilote côtier de la zone, a dirigé notre navire à travers les bancs de coraux des rives de Cumaná. On ne s'imaginait pas combien c'était prémonitoire que ce fut la main d'un aborigène qui nous mena sur cette toute dernière étape vers ce continent. L'Amérique, Alexandre. Nous sommes en Amérique.
Attention, votre pied. Elle ne ressemble à aucune de chez nous. Je jurais qu'elle n'a jamais été décrite. Muy buenos días. Permitidme de presentaros a mi amigo y colaborador, el doctor Aimé Bonpland. Yo soy Alexander Humboldt y venimos en misión científica con un salvoconducto de su majestad el rey Carlos IV de España. Caméléon, j'aimerais bien vérifier ce que Linné a écrit sur sa capacité de changer de couleur. Si le gusta, se lo regalo. Gracias. Pedro Montañar. Ella es mi esposa Luisa. Somos maestros de primeras letras en la escuela del pueblo. Perdón, ¿le pueden decir que es muy frágil? Hey, hey, hey. Cuidado, niños. Nous venions de traverser l'océan, au prix de mille périls. Et nous brûlions d'affronter la forêt, le désert, la nature. Ce que nous avions oublié, c'est que même dans ces confins du monde, il existe des rites de passage obligés, les mondanités. Si peu différentes des nôtres, avec ce qu'il y faut de suspicion et de dangers cachés, mais aussi quelques belles rencontres. Las riquezas desconocidas de este continente presentan un interés incommensurable para la humanidad. Riquezas, monseñor. Ah, espera encontrar oro, naturalmente. En absoluto. Hablo de los hombres, de los animales, de orografía, de la hidrografía. ¿Hidro? Fría. Todo esto es apasionante. Señor Humboldt, ¿usted ha oído hablar del río Casiquiare, que serviría de unión entre las cuencas del Orinoco y del Amazonas? Sí, lo leí en La Condamine. La condena, monseñor. Señor Humboldt, la llaman cariñosamente el oído de Dios. Está pagando una promesa de sus padres. Es algo así como un lazarillo de sordo. Grétry. ¿Sí? Lo conozco personalmente. Perdón. La Rosa Republicana. O la Fiesta de la Razón. Conçois-tu bien mon père, l'ivresse de mon cœur? Si ma tendre bergère de ce beau jour a l'honneur. Oui, l'amour doit ce prix à mon patriotisme. De tes leçons j'ai profité, ennemi de tout cagotisme. J'idolâtre la liberté, j'idolâtre la liberté, j'idolâtre la liberté, j'idolâtre la liberté, j'idolâtre la liberté. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Monsieur Bonpland, je me permets de vous présenter Monsieur Eliseo Caballo, un des meilleurs musiciens d'ici. Bienvenido. Gracias. Conozco mal a Grétry. Estudié música sacra en Caracas, en la cofradía de Altagracia. Pero necesitaba hacer otra música que reflejara de manera más cierta nuestra realidad. Oh, me gustaría escucharla. ¿Va a tocar, Eliseo? Qué interesante. Mejor es tocar uno de los nuestros. Qué bien.
yo idolatro la libertad. Vamos a bailar. Muy bien. ¿Podéis esperar más riqueza y orgullo de vuestra cultura que de vuestras minas de oro? Ah, minas de oro, ¿eh? Para nosotros, monseñor, el oro es un metal, ni más ni menos que el plomo. Haciendo progresar el conocimiento del universo, servimos a la humanidad. Y el hombre tiene tanta necesidad de conocimientos como de pan. Y de pan más que de oro. Quieren pan, su santidad. Doctor Bonpland, don Aimé, ¿y la sorpresa que nos prometió? Ah, sí. Ces dames s'impatientent. Oui, c'est vrai. Ven. Señores, ¿quién de entre ustedes se ha introducido alguna vez en el universo maravilloso de lo infinitamente pequeño? Señor Villahermosa, ¿puedes m'attraper una flor de ese bouquet, je vous prie? Avec plaisir. Cuando usted cantaba, me miraba solo a mí, ¿verdad? A mí sola. Ustedes saben, el polen es el semen masculino de las plantas. ¡Oh, monsieur! ¿Qué prefiere? ¿El polen de esa flor? ¿O a mí? Con todo lo que ve y todo lo que se imagina. Barón von Humboldt. Quiero mirar uno de mis piojos a través de su máquina. ¡Ay, qué buena idea! ¡Excelente! Y quiero que sea el propio doctor Bonpland quien los escoja. Me imagino que debe ser un especialista. ¿O me equivoco? Permiso. ¿Por qué vuestra gracia acuerda el más mínimo valor a las cartas de esos aventureros? Están firmadas por el secretario de Estado del Consejo de Indias. Trabajo de falsificadores. Y llevan el sello de su majestad. Lo que prueba que el gobierno de su majestad está infiltrado por agentes enemigos. ¿Enemigos? No estamos en guerra sino con Inglaterra, que yo sepa. El barón es prusiano. Y calvinista. Y probablemente hugonote como los británicos. El doctor es francés. Un republicano. Un regicida. ¿Su majestad daría su aprobación a un hombre que se haya prestado a la muerte de un Borbón? Vais a redactar un informe, ¿verdad? Entiendo que les interesan las plantas y animales de este país. C'est une Heliconia. Sans doute une Heliconia caribéa identifiée par la marque. ¿Verdad? El nombre de esta flor es Heliconia caribéa. Si ustedes lo dicen, aquí la llaman Ricky Ricky. Ricky, Ricky. Son para ustedes. Pues me imagino que les interesa. Todo lo de su país nos interesa. Plantas, flores, insectos. También tengo insectos. Una charmante petite migale. Una araña mona muy simpática. Personnellement, je n'apprécie pas excessivement ce genre de petite bête. C'est une merveille.
Miren esta pequeña. No la toque, señor. Lo puede matar. Es venenosísima. Tiene la boca muy pequeña y lo puede picar entre los dedos o en cualquier parte donde pueda clavar sus colmillos. Este hombre parece tener conocimientos excepcionales. No se burlen de mí. Yo conozco cosas de la vida, de todos los días. Esas cosas de la vida. Nos gustaría reaprenderlas de usted. Dans les premiers jours, Pedro s'étonnait de nous voir passer des fleurs aux roches et des insectes aux montagnes. Je n'eus pas de peine à lui expliquer que mon objectif principal était d'observer la physique du monde, la composition du globe, l'analyse de l'air, la physiologie des animaux et des plantes, c'est-à-dire les relations générales qui unissent les êtres organisés avec la nature inanimée. Ceux qui avaient connu l'austère étudiant en physique ne me reconnaissaient guère dans les lettres où j'écrivais, avec les accents des poètes romantiques. Depuis les boas avalant un cheval, jusqu'au colibri se balançant sur le calice d'une fleur, tout ici proclame combien la nature est grande, puissante et douce en même temps. Suéltela. Alexandre! Voilà des cactus qui poussent à l'air libre! Viva la libertad! Oh. Aquí dicen que son las ánimas de los muertos. Son sapos. Es normal. Recuerde que estamos cerca de una ciénaga. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre des gens qui appellent. C'est bien connu. L'obscurité trouble les perceptions et favorise l'imagination. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¿Serán sapos o serán ranas? Nadie dice lo contrario. Pero aquí dicen que los muertos hablan a través de ellos. Voy a buscar a uno de esos espíritus. Je viens avec vous. J'ai l'impression de régler des comptes avec de vieilles terreurs enfantines. J'en tiens! C'est vous? Venez, par ici! J'en ai attrapé deux! Mon herbier! Mire, Pedro! Atrapé una pareja de almas. Parecen ranas, ¿no? Almas pequeñas. ¡Basta! Estábamos de acuerdo en atrapar uno de estos pestes... de estos batracios. Sí, 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 pero está lloviendo. Dans mon enfance stricte et austère, toucher un crapaud faisait partie des choses interdites. Ce jour-là, je découvris de façon presque douloureuse qu'existait en moi la même jeunesse, la même faculté d'émerveillement et la même joie de vivre que chez mes deux compagnons. Il restait, et il resterait encore des félicités que ma nature même m'interdirait. Buenos días, señor Villahermosa. Buenos días. Señoras y señoritas, el sol luce con mayor resplandor con vuestra llegada. Buenos días, doctor Bonpland. Deme vuestro brazo, don Amado.
Al menos que prefiera tomarme por el talle. Mil perdones, ¿me permite? Esa flor, allá arriba. Tal demostración en público. ¡Qué vergüenza! Ay, María, no me importa. Viste sus manos, sus ojos. Je le savais. Viens ici, ma belle. Allez doucement. Alexandre! Alexandre, regardez. Une orchidée. Una orquídea absolutamente y totalmente desconocida. En plena ville. Lo odio. Lo odio. No quiero volver a verlo más nunca. La flor de la place. C'est confirmé. Il s'agit d'une espèce nouvelle. C'est incroyable comme vous avez su rendre le côté troublant de cette fleur. Le côté troublant? Ne me dites pas que cela ne vous fait pas penser à un sexe de femme. Comment pouvez-vous? Ça me paraît tellement évident. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que cette ressemblance n'entre pas pour une grande part dans ma passion des orchidées. Vous êtes gêné? À cause de ce que m'évoquent les orchidées ou à cause d'Anna? Cher ami, laissez-moi vous expliquer. Vous venez de Paris, folle Babylone, où les catins et les princesses se confondent. Laissez-moi parler. Ici, c'est d'une toute autre province qu'il s'agit. Vous voyez ces hommes ravalés au rang d'animaux de trait? Ces jeunes filles maintenues dans l'ignorance, qui ne sont là que pour bien marquer le statut social de cette femme. Seigneur, quelle expérience! Dios mío, están todos bien! Sí, aquí tengo así. ¡Epa! C'est Pedro. J'espère qu'il n'a rien. ¿Qué pasa? Es mi mujer. Está pariendo, pero tiene problemas. Voy. Listen!
¿Cómo sigue, mi cielo? El niño duda si venir o no a este mundo. ¿Es vuestro primer hijo? Sí. Nuestro primero. ¡Pero hagan algo! ¡Agua! Agua, por favor. Yo a tu mamá, suavecito, suavecito, sal, que te queremos conocer. Tranquilo, tranquilo, suave. Antonio José, ¿qué haces ahí? Anda a hacer los deberes. Sí, sí, empuje, empuje. Elle est trop étroite, l'enfant ne passera pas. Oui, effectivement, ça... Ça me paraît bien étroit. Le scalpel. Le scalpel? Là, dans mon sac. Tranquille. Ma seule expérience de chirurgie est la réduction d'une fracture du tibia sur un marin dans le port de Toulon. Oh merde, ce n'est pas le moment! Je veux parler de la ressemblance avec une orchidée. Vous voulez dire que vous n'aviez jamais vu le sexe d'une femme? Alexandre, vous êtes unique. Éclairez-moi bien que je n'aille pas massacrer cette orchidée sauvage qui a l'air de tant vous intimider. Maravilla. ¡Qué inmensa! ¡Ay, qué enorme! ¡Y cómo brilla! Pero en fin, ¿de qué hablas? Oye, ¿y a ellos? ¿Qué les pasa? ¿No será por mí? ¡Qué presumido! Son las estrellas. Las estrellas fugaces. ¡Mira! ¡Allá va otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Mira! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué bella! ¡Mira, allá va otra! Tómame ya. Tómame. Anda. Gozar como si todas esas luces me traspasasen. Ay, quiero que estalles en mí como si fueras un meteoro. ¡Alexo! ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?
Vous avez vu Alexandre? Et cela fait plusieurs minutes que ça dure. Ay, Santa Virgenes. Uy. J'allais vous appeler. Ce sont les cris qui m'ont attiré. Señora Villahermosa, ¿tuvo usted un accidente? Ah, tranquilícese, vuestra gracia. Doctor Bonpland, hágame el favor de acompañarme hasta mi casa. Amado. Debería llamarlo odiado. Me disculpas, querida Anna. Soy un científico. Es usted un ser etéreo, volátil, inatrapable. Hasta nunca, doctor Bonpland. Adiós. Mi bien. Remarque une chose extraordinaire. Si l'on prolonge la trajectoire de ces météores, il... Vous m'écoutez, Aimé? Je disais, si l'on prolonge la trajectoire des météores, ils semblent tous provenir de la même région de la voûte céleste. La noche que le cortaron la cabeza al rey de Francia, hubo señales extrañas en el cielo de París. Hace unos días el terremoto ese. Hoy esa explosión en el cielo. Mira, que cada quien piense lo que quiera. Des Gémeaux vers le sextant. Une autre tout de suite après, du taureau vers Éridan. Si je prolonge les trajectoires, tous mes traits se recoupent dans la constellation de Persée. Personne, à ma connaissance, n'avait fait ce genre de constatation. Ces météores entreraient tous dans l'atmosphère suivant des directions parallèles. Exactement. Leur apparente dispersion n'est qu'un effet de perspective. Une autre là. J'aimerais savoir une chose. Les aimez-vous sincèrement lorsque vous les possédez? Pas autant qu'au moment où je les désire. Quelquefois, la nature devenait dense, obscure et presque impénétrable. En ces moments, je me sentais serein, abrité, protégé, comme un guacharo, ces étranges oiseaux nocturnes qui habitent la Cueva de Caripe. Et qui seulement abandonnent leur domaine à l'entrée de la nuit, puisque les lueurs du jour leur font mal aux yeux. Sarura o tragavenado? Boa constrictor. Deux et un tiers. Capitán Aguilar, llevaos el baúl y ese paquete a bordo. Vamos, vamos. Señor gobernador. Excelencia, ¿vais a dejar partir los bultos? Están destinados al Museo de Historia Natural de París y las cartas son para sus amigos. Y con toda seguridad se trata de un código. Son nombres en latín de más de 400 especies botánicas. Hay también muestras de minerales. Y el oro y los diamantes son minerales. Yo os avisé el día de llegada de estos dos. En cuanto a las cartas, seguramente se trata de mapas marcando los sitios de explotación. Señor Rivera, por favor. ¿Y mi informe? Mi informe. Entregádmelo.
vuestra gracia. Estoy convencido que esos dos hombres buscan el dorado. Gracias. Il y a une légère complication. Monsieur le baron, je suis en retard. Vous savez comment c'est sans moi. Les mouvements des astres ne peuvent se commander. Pas même par les astronomes. Bonjour, docteur Bonplain. Vous en manquez beaucoup? Non, monsieur. L'essentiel est à venir. Nous ne savions pas que vous vous intéressiez à l'astronomie. Je suis un admirateur de Copernic et de Kepler. C'est ma passion. Une passion que nous partageons. Oui. Je sais. Voyez. Il ne reste plus que deux tiers du disque solaire. C'est extraordinaire. Oui. Il ne reste plus qu'une minuscule frange de soleil. À peine quelques grains de lumière. Monsieur le baron. Au diable, la couronne. Mais enfin, vous n'allez pas renoncer, vous avez la couronne. Comme toi, familier, dans une couronne. Il a raison. Qui sait quand vous retrouverez de pareilles conditions pour décrire une éclipse totale. Oh, il n'en est pas question. Mais courez, nom de Dieu. S'il vous plaît. Pedro, vaya buscar ayuda. Je reviens tout de suite, mon ami. Ça ne dure jamais que quelques minutes. Attendez-moi. Ah, la couronne. Moi aussi, j'en ai une belle. De couronne. Oh. Pedro se va con ellos. Se van. Nos vamos, hermosa dama. Pero seguirá siendo usted el fulgor de todos mis sueños. ¿Dios de quién es? Soy diablo, niebla transparente, brisa del este, pasajero sin derrotero, ciego y sin olfato. Se las confío, pues. La escuela, la maestra y los alumnos. Mi idolatrado sol rodando sobre sí mismo, sobre mi luna, mi loco amor. Venez. Je ne sais pas nager. Ce n'est pas profond. Et Estelle? On se bagne? Non. Je me cache. Vous rappelez-vous lorsque nous disputions la baignoire de l'hôtel Boston à Paris? Curieux que vous me parliez de cela ici. C'est sans doute un effet de notre nudité. Enfant, au château de Tegel, on se baignait ainsi, dans le bassin. Tout nu. Mon frère, mes cousins, moi. Les cousines, bien sûr, n'y étaient pas autorisées. Je me souviens que la froideur de l'eau me glaçait. Mais moins que celle de ma mère. Mon père déjà n'était plus là. Il me disait que j'étais un enfant fragile, incapable du moindre effort. Comme il se trompait. Ah.
plus tard, on a essayé de me marier. Et une femme charmante. Amélie. Amélie von Hindenhof. Elle était ravissante. Vous eussiez été fou d'elle. Je n'ai jamais pu me résoudre. Si j'évoque tous ces souvenirs, c'est que... Je sais que parfois, vous... Vous vous interrogez sur ma virilité. Et... Pardon de vous interrompre. Mais si vous accordez le moindre intérêt à vos souvenirs et à votre virilité, il serait sage de retourner sur la berge à toute vitesse. Je vois un caïman qui ne demande qu'à se préparer à quelques souvenirs anthropophagiques. Oh, bon sang! Mon Dieu, il croit que je l'appelle! Allez! Es por eso que no se quería bañar? El caïman? Si lo había visto. Si usted sabía que era peligroso, ¿por qué no nos lo dijo? Bueno, desde que pusieron los pies en este país, han atravesado situaciones tan escabrosas y no les ha pasado gran cosa, que yo quería saber si eran inmortales. Mortales. Inmortales. Inmortales. Yo también hago mis observaciones. Buenos días, caballeros. Veo que ya habéis conocido al gran caimán, soberano de este caño. Caracas, Madrid... París, l'espagnol, le français, el latin, et ne parlons pas de cette langue barbare, que l'anglais. D'où les liés les langues, surfe. Vanité de vanité, Cardier est présent partout et dit ma juge plus utilisé à évangéliser les Indiens depuis 24 ans. Agimus tibi gratiae omnipotens Deus pro universis beneficis tuis. Deo gratia, etc., etc., etc. ¿Qué pasa allá afuera? Los latigazos los tengo prohibidos. ¡Basta ya! ¿Qué significa esto, Rivera? Padre. Recuerde que usted también es español. Y aquí yo soy la máxima autoridad. ¿Qué crimen ha podido cometer este hombre para merecer semejante castigo? ¿Quién habla de crimen? ¿No veis que son indios? Hay razón para tratarlos de esa forma. Hay que prepararlos. Esa es la costumbre. Costumbre contra la cual yo me opongo, formalmente. Yo me esfuerzo en domesticarlos de una forma más humanitaria. Perdón. ¿No nos hemos visto antes? Parfaitement, monsieur le baron. J'étais à la recepción de monsieur le gouverneur à votre arrivée à Cumaná. Mes respects, docteur Bonpland. Je me souviens de lui. Paponaide, Naveje, Unuja Babelia, Pajamuveje, Merrevi. Me comparé tan merrane. Amarradme a esos dos y acostadlos. Os quemo las nalgas si se escapan. ¿Deseáis saber qué hago aquí? Soy oficial de Su Majestad encargado de defensa de fronteras. Con vuestra venia voy a aprovechar el bongo para hacer varias leguas con vosotros. Nous aurions dû nous interposer devant une telle barbarie. Et libérer ces deux indigènes. J'aurais sincèrement préféré me passer de pagaille ailleurs. Dieu, comment des hommes s'arrogent-ils le droit de traiter ainsi leur prochain? Prochain.
prójimos. Para ustedes, quizás. Habla francés. Comienzo a comprenderlo. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Estamos hartos de ser colonia. En toda colonia hay colonizadores y colonizados. Exploradores y explotados. La gente de aquí no conoce el dinero. Mañana los dejarán en libertad y les darán dinero. Y les nacerá el deseo de comprar cosas que no los van a hacer más felices, sino que los convertirán en otra especie de esclavos. ¿Y usted? ¿Considera que nosotros haríamos lo mismo? No. Ustedes nos aceptan como somos. Pero no los otros. Comprendo tu amargura. Yo no soy hombre amargado. Soy un hombre libre. Donde yo fundaré mi iglesia. Así habló el Señor, extendiendo sus manos sobre las aguas. Y nos vamos a ir a pique, si usted continúa con sus gestos dementes. ¡Ahí sí! ¡Romal Bicharraku! Malaria. Muy bien, doctor Pedro. Excelente diagnóstico. Libérez-moi, Seigneur, de ce froid mortel qui me gèle jusqu'au fond des boyaux. Pour las 100,000 putas sifilíticas de Babilonia, tengo frío! Tengo frío! Auriez-vous une solution pour faire taire le padre? S'il ne va pas mieux ce soir, j'y ferai de nouveau avaler une décoction de quina. La ponzoña corre en mis venas como el agua por los ríos y los valles. Pero la arteria gruesa que irriga mi cerebro no puede al mismo tiempo hincharme la pinga que la tengo flácida. Ergo, tentationem peccator. Tentationem. Aquí eso no parece ser un problema, ¿eh? Hace falta tener una tripa directa, como la que Dios, en su santa ingeniosidad, inventó. Un caño como el que existe entre el río Amazonas y el río Orinoco. Allí el agua del río le importa un rábano la ley de la gravedad. Sube y baja montañas. Y los indios lo llaman caciquiare. Perdón. Magis mutus quantis aborigene. Vis inertia vita brevis ars longa.
luxo, a non lucendo, ad nausea me seu. Beati posidente. Altissima, quel che flumina a minimo sonno l'appi. El padre dice que los mosquitos no suben a más de 3 toesas. ¿No me creéis? ¡Incrédulos, interincrédulos! Entonces quedaos abajo y que todos los bichos de la creación os devoren hasta el hueso del culo. ¡Bête maudite! ¡Animalicule malfaisant! Plus c'est petit, plus c'est méchant! Ici, ça ne marche plus, je renonce. Ces bestioles dans la lumière des flammes me font penser... à la moindre étoile filante. Venez près du feu. Figurez-vous que je pense à Anna. Tendre et passionnée Anna. Qui m'aurait dit que pour la première fois, j'aurais été sincèrement épris. La première femme qui m'aurait quitté. Oh, ces saloperies de moustiques, vous ôterez toute vérité de sentimentalisme! L'esclavage est sans doute le plus grand de tous les maux qui ont affligé l'humanité. Oui. Je pensais au traitement infligé aux Indiens Bravos pour les mater. J'exècre ces méthodes. Personnellement, je les trouve beaux et vaillants. Pour moi, les bravos sont ceux qui refusent de faire le signe de la croix. Un peu restrictif comme critère de civilisation. Ils leur mettent des culottes pour ne pas choquer les singes et les toucans. Ils leur font réciter le pater et l'ave sans qu'ils puissent en comprendre un traître mot. Les voilà devenus des Indiens réduits, comme réduits en poussière. En esclavage. Ou au silence. Oh, par le diable, on nous avait mis en garde contre les jaguars, les serpents et les cannibales. Mais ces maringouins sont 100 000 fois plus redoutables. Pulgas, piojos y ladillas entraron en el arca de Noé, escondidos en los pantalones del mismísimo patriarca. Una pala, un pico. Bajo la espalda de sus esposos. Le relan petit, y digas ya la gigantesca población à laquelle se livrent toutes les espèces animales par des milliers de couples inoccupés durant 40 nuits, poussés par la oisivité. Grâce. Cavo una tumba. Una tumba para los mosquitos. Nunca podrá ser una disputa. Vaya.
¿Por qué no? ¿Y quién se va a encargar de enterrarlos a todos? ¿Tú solo? Déjame, me entierro. El olor era tan feo y tan fuerte que el capitán ordenó entreabrir un ojo de buey. Ayúdame. Pebi tope sorrobabato, vaque tope belle, pina, jone ya. Gracias. ¿Verificas? Ríete. Seré yo quien ría cuando los mosquitos os despedacen. ¡Eh! ¡Allá abajo! ¡Les hice una pregunta! Mille excuses, mon père. Que voulez-vous savoir? Si le système du docteur est efficace? Ça en donne l'impression. Je crois qu'il dort déjà. Non, je ne dors pas, mais le sable est délicieusement frais. Buenas noches, todos. Me extraña mucho que exista un método de escapar a la picada de esos bicharracos. Me sorprende que Dios lo permita. ¡Ah! 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 Les insectes, les milliers d'insectes du sol, plein de mandibules, de tarières, de mâchoires et de méchanceté. Ah bon? Ah! Je brûle. C'est mieux comme ça. Confundatur superbi. Que los soberbios queden confundidos por haber dudado de vuestra sabiduría. Amén. Llevamos casi tres días comiendo raíces y plátanos. Yo no entiendo. Otro día. Demos gracias al Señor Todopoderoso por este milagro cotidiano. Amén. He dormido como los dioses. Dios te bendiga, Pedro. Bonjour, monsieur Levado. Bonjour, padre. Je meurs de faim. Me muero de hambre. Sorprendente. Sorprendente. Vous avez l'air d'aller mieux aujourd'hui. Ah, sans doute. La décoction de quina du docteur a fait son effet. À ce propos, vous l'avez vu ce matin? Alexandre! Aimé. La vieta. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Ça m'est venu cette nuit lorsque j'ai réalisé que nos pagayeurs avaient l'air épargnés par les moustiques. Je suis d'accord si... si vous considérez cela comme une expérience. Mais je me demande simplement si... comment dire, si ce n'est pas un manque de dignité. Oh, vous souhaiteriez peut-être leur montrer notre civilisation sous son meilleur jour. Par exemple, votre expérience dans les mines de Silésie, où les femmes trient le charbon, où des enfants rampent dans les filons pendant 10 heures par jour, où des chevaux aveugles tirent les bennes chargées. Autant que vous, je crains que cela ne soit le genre de progrès que notre civilisation leur apporte. Je dois avouer que vous êtes superbe ainsi peinturlurée. Venez, je ne veux pas manquer la tête du padre, et surtout celle de Rivera, en vous voyant. Respice finem, mon père. Nous avons déjà dit les benedictus sans vous attendre. La plus infime prière est entendue par le Seigneur. Tiene oído fino el buen Dios.
¿Pero cómo te atreves a hablar de esa forma? ¿Es así como aprovechas las enseñanzas que te damos nosotros, los misioneros? ¡Deje, padre! Le daré un puntapiés en el culo a ese salvaje. Mais du calme, monsieur Rivera. Déjà prêt à faire de votre pied le bras armé de la Sainte Église catholique en péril? Dígame que se trata de una broma. Ninguna manera. Es en serio y muy agradable. Deberíais probarlo. Peut-être cela vous eût-il donné une autre idée du cosmos indien. Tequea. Se para. Away. Se para quea. Se para quea. Se para. 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 Ma. Ouf! 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 Mon rentrer! Ouf! Non, 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 ne partez pas, c'est sans danger. Ma, ma! C'est vraiment sans danger, regardez, regardez. Ouf! Regarde. Voilà. Hein? Ouf! 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 Attendez! C'est trop. Vous n'y arriverez jamais tout seul. Ah, vous voilà. Oui, nous ne serons pas trop de trois. Vous? Eh bien, quoi? Ah, c'est que je... Je m'attendais si peu. Mais je vous en prie. Vous me le feriez regretter. Ah non. Ah, non. Alexandre, regretter, c'est mourir un peu.
42 livres. 19 ans. 9 ans. Tres pies, 10 pulgadas y pico. 3 pieds, 10 pouces, 1 quart. D'accord, mais comment s'appelle-t-il? Comment se llama? Es inútil. No se lo dirán. No dan sus nombres. Algo que tiene que ver con muertes. Ven para acá. 4 pies, 9 pulgadas. 4 pies, 9 pouces. N'est-elle pas la beauté, l'innocence et la sensualité faite femme? Lève d'avant le péché originel. C'est la première fois que je vous vois intimider devant une femme. Vous n'osez même pas effleurer sa peau. Un nombre que no hayamos utilizado. Un nombre. ¿Qué le parece a Bernardo? Tuve un tío que era contable en la gobernación de Madrid que se llamaba Bernardo. Pues entonces será Bernardo. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bernardo, ¿renuncias a Satanás, a sus pompas y a sus obras? Renuncio. ¿Y te unes a Jesucristo por siempre? Sí. Ego. Yo te bautizo Bernardus. 5 pies, 4 pulgadas. 5 pies, 4 pouces. Amén. ¡Otro! ¿Otro? ¿Otra? No, tú no. ¡Cuidado, bastardo! Calmao, Rivera. ¿Quieres que lo deje hacer de las suyas? ¿Y a ustedes no les molesta que le pongan nombre? ¿Que los bauticen de esa forma? ¿Sin explicarles? Los indígenas tienen sus tradiciones. Sus dioses. La naturaleza. Los árboles. El río. La lluvia. Rehuso ser cómplice. Por amor de Dios. Tanta historia por solo unas pocas gotas de agua bendita. Bautizándolos, espero darles un nombre, una identidad. ¿Por qué le tienes tanto miedo al bautizo? ¡Mestizo! Tengo nombre. Usted es el único que me llama así. Y no es tanto al bautizo lo que le tengo miedo, sino a la manera que ustedes lo practican y lo que lo acompaña. ¡Cállese, ignorante! Nuestra conquista es civilización primero. Civilización o muerte. Pedro. Buenos días. Qué animal tan precioso, ¿eh? ¿Dónde lo encontraste? Pedro. Esos parajes del río Casiquiare son muy peligrosos. ¿Por qué no te quedas con el padre y vuelves con tu familia?
Ellos te deben estar esperando. Les debes... Te deben hacer mucha falta. Ainsi c'est décidé, mon père. Vous ne continuez pas avec nous? Un chef indien agonise à un jour et demi de ma cuisine. Il a besoin de moi pour lui donner la dimension. Si lui manque, il me demande. On a besoin de moi ici. Adieu, mon père. Adios, padre. Je vous remercie pour la décoction de quinoa. Benedictus Dominus Sanctus. El padre trató de explicarte, como yo, que no continuases. No. ¿Por qué debía hacerlo? Este sitio es mortal. Para ti, particularmente. ¿Es que acaso las serpientes se transforman en oficiales de frontera? Señor Rivera, ¿puede usted precisarnos qué peligro amenaza a Pedro en el Casiquiare? Los portugueses. ¿Por qué los portugueses serían más peligrosos con Pedro que con nosotros? Vosotros sois extranjeros y gente honorable. Si os hacen prisioneros, destruirán vuestro trabajo. Romperán vuestros instrumentos. Por ignorancia, naturalmente. Pero aparte de los golpes, después de uno o dos años de prisión, os soltarán y os permitirán volver a vuestras casas. Quizás... El padre es franciscano. Sin embargo, no quiso subir a bordo de este bongo por miedo a los portugueses. Pedro no es ni sabio, ni militar, ni nada, vamos. ¿Qué pasaría a Pedro si encontramos soldados portugueses? Lo matan. Esas ramas están recién cortadas. Pedro, no hagan eso. Puede haber problemas. Es preferible alejarnos. ¡Ustedes que miran! Thank you.
Quelle nature merveilleuse. Basta! Poplandilo! Esos infelices no fueron muertos por flechas ni lanzas, sino masacrados con espadas, cuchillos de cacería y armas de fuego. Son buscadores de oro y piedras preciosas. ¿Qué piensa usted, señor oficial responsable de fronteras? ¿Yo? Yo no sé nada. Esta mañana lo escuché mientras cuchicheaba con el padre. Lo escuché cuando le prohibí acompañarnos. Diga lo contrario. Señor Rivera, nous vous avons accueilli dans cette embarcation à la demande du père Zéa. Vous avez une autorité certaine sur lui. Laquelle? Et que cherchez-vous? Es mi palabra de español contra la de un mestizo bastardo. Os ruego dejarme en el primer lugar donde encontremos gente amistosa. Deje de hablar estupideces y díganos lo que oculta. ¿Está generado? Sí. Fui yo quien ordené al padre que se quedara en el pueblo. Calmez-vous. L'eau pourrait gâter nos manuscrits et nos collections. Ça suffit, Rivera! Cállese! Quiere vengarse del golpe que le mandé a dar el día del eclipse. Sí. Fueron mis hombres los que mataron a esos salvajes. Peor para ellos. No tienen por qué vivir sobre yacimientos cuyo valor desconocen. Mon Dieu. Mais quel genre d'homme êtes-vous? Cuidado! Seguirá! Pas loin de mourir. Allez, allez, cache, cache, cache toute cette eau. Tu m'entends, Alexandre? Cache. Está muerto. Respire. Respire, mon Dieu. Respire.
Alors, Aimé, bilan du naufrage. Comment vous sentez-vous? Comme Lazare. En mieux. Avez-vous remarqué qu'ici, il n'y a presque pas de moustiques? Pero no es tu trabajo. Hubiese preferido perder un ojo, una mano. No. Démela más bien. Quiero darle las gracias. Mis amigos. Continuez. Continuez, c'est bien ce que nous fîmes tous les trois. Chacun à notre façon. Comme je m'y étais attendu, Aimé n'a pas longtemps supporté l'Europe. Il est retourné en Amérique du Sud. Les 16 ans qu'il a passés en otage d'un dictateur mort et oublié ne l'ont jamais empêché d'exercer sa science, sa générosité et son humour, ni d'avoir plusieurs compagnes et de nombreux enfants. Pedro, en se faisant tuer pour l'indépendance de son pays, à la bataille de Carabobo, il était le plus jeune d'entre nous, mais la liberté est gourmande de jeune vie. Quant à moi, je suis mort aussi, évidemment. Même si ma vie a duré 90 ans, mon passage m'a paru un peu bref. À peine plus long que le cours du Cacicale, rivière sans source que nous avions fini par atteindre, et dont les eaux semblent hésiter en permanence entre l'Orénoque et l'Amazone, ces deux fleuves géants où elles finissent pourtant par se fondre. Comme nos molécules à tous les trois se sont fondues dans le cosmos. Si, fait. Moi, j'ai plus de la sphère, c'est avant, hein? Qui sait? Qui sait si ces molécules ne sont pas plus utiles aujourd'hui dans le gravier d'un jardin public, dans le plumage d'un oiseau? Mais notre œuvre demeure. Notre amitié aussi, que la mort ne saurait atteindre. Je sais que cette hypothèse n'a rien de scientifique. Mais si c'était cela, notre éternité...